Donc bienvenue pour cette seconde partie de cette première séance des dés sont jetés. Donc on va découvrir cette fois-ci les deux autres joueurs du groupe. Le contexte, vous êtes parti de la capitale suite à la constitution de votre groupe tel que vous l'avez défini, donc à savoir que il y a eu quelques frictions, on va dire, sur la place d'un marché au niveau de la capitale, donc d'Ibrenac. Vous êtes un peu tous mêlés, à l'exception de Kratel, de ce qui se passait dans cette échauffourée, et vous êtes retrouvés embarqués par la milice et emprisonnés dans des geôles. Et suite à ça, donc Kratel, qui a observé cette situation, Kratel qui est un enquêteur, qui est une personne qui prend le temps d'analyser, a vu se passer tout ça sous ses yeux et a choisi de prendre votre défense au niveau de la justice, d'assurer votre défense et de vous sortir de là. Donc suite à ça, vous êtes sorti de la capitale, vous avez voyagé pendant quasiment 2 semaines depuis la capitale en suivant le trajet habituel d'enquêteurs de Kratel, donc en suivant la girouette en direction du sud, jusqu'à arriver à une nouvelle ville, la ville d'Ignazis. Alors, la ville d'Ignazis, Kratel la connaît plutôt bien, il l'a visitée quelques fois. Il vous explique qu'il s'agit d'une ville qui est imprégnée de magie, dans laquelle se situe la tour des mages, la tour d'Ignazius, le contre-nature, Ignazius qui est connu notamment pour avoir scindé le cours de la girouette, donc le cours d'eau, en deux nouveaux segments, donc la girouette sud et la girouette est, en créant une fracture au niveau de la rivière, et vous arrivez donc dans la ville qui s'est créée autour de cette fracture. Votre groupe a fait un constat un petit peu amer, après c'est presque 2 semaines de voyage. Il s'est rendu compte que ses vivres commençaient à s'amenuiser. Il ne reste plus beaucoup de rations de survie à chacun, à peine 5, à peine de quoi tenir 5 jours. Et votre argent commence à manquer, tant et si bien que vous commencez à vous dire qu'il serait temps de trouver quelques quêtes ou quelques petits boulots à effectuer pour vous faire un peu d'argent et renflouer un peu vos caisses. En arrivant près de cette ville, votre groupe s'est un peu naturellement scindé en deux. D'une part, il y avait Mayal et Eldebaf. Mayal qui vient de la forêt, qui n'est pas forcément très très à l'aise à l'idée d'aller dans une ville comme ça qui est très fréquentée, notamment pour cette période de fête de la création. Fête de la création qui prend lieu au tout début de l'année, en plein été, parce que nous sommes dans un hémisphère sud. Dans ce monde, donc vous êtes en plein été. Et cette fête met en avant le travail artisanal, le travail manuel, etc. Donc Mayal n'était pas trop à l'aise à l'idée de se rendre dans cette ville. De même, Eldebaf, vis-à-vis de la réputation magique de cette ville, préférait rester plutôt en abord de la ville, plutôt que d'y pénétrer. De fait, vous deux, en revanche, vous étiez soit pour Mibi très intéressé à l'idée d'aller voir cette ville à l'intérieur, qui a cette réputation, d'être imprégné de magie, et pour Kratel, ça relève un petit peu de son quotidien de rentrer dans la ville, donc lui ça ne lui pose aucun souci, et dans l'idée, pour trouver un travail, ce sera plus simple d'aller en ville directement. Vous leur avez donné rendez-vous pour le soir dans une petite auberge de la connaissance de Kratel, petite auberge qui coûte moins cher que les auberges qui sont en ville, puisque cette auberge est à l'extérieur de la ville, auprès du marché des petites bourses. Kratel savait que c'était un endroit qui était un petit peu plus tranquille aussi, et cette auberge s'appelle le Bourdon Cogneur. Et vous vous êtes donné rendez-vous donc en fin d'après-midi, début de soirée, au Bourdon Cogneur. Donc suite à ce contexte, je vais donner maintenant la parole donc à Milk, qui va se présenter déjà en tant que joueuse, nous parler un peu de son expérience, et puis nous présenter le personnage de Mibi, ses particularités, son état d'esprit, et son objectif en arrivant dans cette ville. Oui, donc alors voilà, moi je joue au jeu en général, jeu vidéo plateau depuis un moment, et puis depuis quelques,
depuis 2 ans, là, j'ai commencé à jouer, à faire du jeu de rôle, et surtout du Donjons et Dragons 5e édition. Donc là, c'est un peu la découverte de Pathfinder. Et je joue une gnome ensorceleuse qui, du coup, est un caractère très enfantin, très farceuse, montré par sa marionnette en forme de serpent qu'elle garde toujours avec elle et qui lui sert un peu d'ami imaginaire et de confident. Du coup, elle a toujours grandi dans sa forêt natale. Et là, depuis peu, elle commence à découvrir un peu le monde en dehors de cette forêt. Et du coup, elle est très émerveillée par tout ce qui se passe, très curieuse, et voilà. D'accord. Et ton objectif, du coup, en arrivant dans cette ville ? Découvrir des nouvelles choses, aussi un peu exploiter sa magie. Ok, parfait. Nous passons, du coup, à Fumble, qui incarne Kratel. À toi la parole. Alors, moi, donc... plus grosse expérience de jeu de rôle, parce que j'ai commencé ça il y a déjà une quinzaine d'années. J'ai d'abord commencé par faire de l'appel de Cthulhu avec mon frangin à l'époque, en tant que joueur. Puis à force, j'ai développé de mon côté un univers de fantasy et un jeu de rôle qui allait avec, que j'ai beaucoup masterisé pendant une grosse période. J'ai très peu joué pendant la période où je masterisais, et donc là, ça doit faire 3-4 ans que je suis en disette de joueurs et de table. Donc voilà, ici pour... reprendre un peu l'expérience JDR, surtout du côté joueur que j'ai moins exploité quand même pendant toutes ces années. Pour ce qui est de Kratel, je suis un enquêteur demi-elfe, un peu la caution sérieuse du groupe, celui qui est là pour que ça se passe pas trop mal. J'ai suivi le groupe parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du destin, qui me rattachait à la façon de voir les choses de mon dieu, donc... Donc voilà, j'ai une tendance assez prononcée à la neutralité et au laisser vivre. Donc mon objectif ici, ça va être d'accompagner Mibi et d'éviter que les choses ne partent un peu trop hors de contrôle pour qu'on se retrouve mis à la porte d'une autre ville. Je vois pas du tout pourquoi ça se passerait mal. C'est bien pour ça que je t'accompagne. On va voir ça tout de suite. Donc vous pouvez voir... la carte sur laquelle vous êtes, donc la carte de la ville. Donc sur cette carte, vous arrivez donc par le nord-est, où vous avez laissé vos camarades au niveau des quais pour qu'ils se promènent pendant que vous explorez la ville. Et donc vous avez pénétré dans cette ville qui est quand même très animée. Il y a du monde un peu partout. Vous arrivez. Il est à peu près midi. Vous arrivez dans une ville qui semble être en pleine effervescence au moment où il y a des marchands un peu itinérants un peu partout dans les rues. Il y a des personnes qui font un peu à manger en bord de rue, ce qu'on appelle de la street food aussi, et qui vous interpellent de temps en temps pour vous dire venez goûter, c'est pas mal, c'est bon. Venez acheter mes bracelets. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez passé le pont, vous avez pénétré dans cette ville. Moi, je pense que je serais plus en mode à regarder, à pointer, à arrêter de tirer la manche et de montrer genre « Oh, et ça, et là !» Donc Mibi, c'est un peu l'enfant qui arrive pour la première fois à Disneyland Paris. qui voit un peu tout et qui ah, on va faire ça je suis le mouvement pour le moment. Je pense qu'on n'est pas excessivement pressé. D'accord. Si elle veut profiter du paysage qu'elle fasse. Ok, alors vous arrivez donc assez vite dans une des grandes artères de la ville. Donc cette grande artère, c'est la rue qui est là, hein, qui fait depuis l'entrée de la ville au sud jusqu'à la place de la Tour des Mages au nord. Cette grande rue, hein, qui s'appelle assez sobrement la rue du Bric et du Brac. Vous avez des marchands tout le long de la rue. Mais vous avez aussi des étals un peu sauvages le long de la rue qui vous interpellent pour, à tel endroit, vous vendre quelques armes, à d'autres endroits du poisson grillé, à un autre endroit encore des légumes qui ont été cuits à la vapeur. Et à un endroit, il y a quelque chose qui attire le regard de Mibi, qui tire un petit peu plus fort sur ta manche. Il semblerait qu'il y ait un magicien qui fasse quelques tours dans cette ville et qui ait posé un chapeau par terre pour se faire payer, qui est en train d'agiter ses mains dans tous les sens, faire volter un balai qui est en train de balayer la place tout seul, et puis jongler avec des balles sans les mains. Voilà, donc il fait le show. On va voir.
Oui, oui. Vous vous approchez, la foule a commencé à se rassembler aussi autour de ce personnage. Il a dû commencer son petit spectacle il y a quoi, une ou deux minutes, donc vous êtes vraiment au tout début. Et vous le voyez qui du coup rivalise d'ingéniosité en semblant faire différents tours de magie avec une extrême facilité, tout en gardant un certain détachement et en plaisantant sur ce qu'il voit dans la foule. En désignant différentes personnes dans la foule, en leur disant « Ah, vous, prêtez-moi votre chapeau, mais vous avez quelque chose dans votre chapeau, montrez-moi. Mais ne serait-ce pas un lapin ? Ah !» Et puis il le laisse courir après au milieu de la rue, voilà. Puis tout le monde applaudit, ils sont super contents, et il continue son petit spectacle, jusqu'à ce qu'à la fin, il fasse apparaître des lumières un peu partout, et il fasse des mini-feux d'artifice autour de lui, ce sur quoi les gens sont complètement épatés, en train d'ouvrir de grands yeux et font « Ouais !» Et il dit « Ah, votre bon cœur, monsieur, dame, n'hésitez pas à me payer, je vis de votre générosité, allez-y, allez-y, merci !» Et il s'approche de vous. On lui donne un truc. Tu veux lui donner quelque chose, donne-lui quelque chose, mais on est là pour gagner de l'argent, pas en perdre. Moi, je vais pas vouloir donner mon argent. Donc il arrive près de vous et il fait « Ah, votre bon cœur, monsieur, dame !» Je vais juste lui faire un signe de tête poli et appréciateur du boulot, mais sans plus. Bon, bah, il grommelle un peu et puis il passe à la personne suivante. Voilà, et puis bon, bah, du coup, une fois qu'il a fait ça, il ramasse un peu ses affaires et puis il repart dans les rues. Donc, il repart cette fois-ci en direction d'une autre place qui est par là, là. On peut prendre sa place et faire aussi des tours de magie. C'est un moyen comme un autre de gagner de l'argent. Hein. Kratel et vous deux, de toute façon, je vais vous demander de me faire un jet de perception. Dans compétences, dans l'onglet compétences, ah oui. Tu as perception. Ok. Et bah parfait. Mibi est totalement omnubilée par tout ce qu'il y a autour d'elle, donc elle fait pas je trop attention. Rien. C'est ça, Kratel de son côté, lui, reste concentré, c'est un homme de métier, hein, on va dire, qui, du coup, ne perd pas le nord dans toute cette foule. Et tu t'entends quelques informations qui t'intriguent un peu. Alors, tu es déjà au courant de pas mal de choses dans cette ville, mais tu entends donc qu'il y aurait eu des personnes louches qui auraient rôdé près des quais. Donc ça, c'est la première info que tu entends. Et un peu plus loin, tu entends des marchands qui semblent échanger entre eux sur une sorte de contribution qui aurait augmenté. Ok. Pour l'instant, je ne vais pas agir à ce propos-là, mais je vais quand même garder l'oreille alerte. D'accord. De toute façon, pour le moment, on n'est pas là pour ça, à moins que les personnes louches près des quais puissent m'amener à faire mon boulot, on va dire, mais... Je vais pas aller me mêler de ce qui nous regarde pas pour le moment. D'accord. Je vais juste voir si ces rumeurs persistent, si j'entends encore des gens en parler, je vais peut-être être un peu plus curieux. Mais pour l'instant, voilà, je l'ai entendu une ou deux fois, c'est pas non plus de quoi se réveiller la nuit, quoi. D'accord. Alors, vous êtes à peu près vers l'heure de midi, donc il va falloir un petit peu penser à vous restaurer aussi. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Il y a de la nourriture plein la rue, hein, si vous souhaitez acheter près d'un marchand itinérant. Il vous reste des rations de survie, si vous souhaitez les utiliser plutôt que de dépenser votre argent. Pas encore en situation de survie, donc l'idéal serait peut-être de, pour le coup, les garder pour le moment où on sera en situation de survie. Mm-hmm. Je pense qu'on est obligé de payer dans cette ville aussi pour manger, on peut pas juste se servir. C'est ça. J'apprécie le fait que tu aies retenu la leçon. Tu as effectivement constaté que dans la ville précédente, Mayal qui avait essayé de se servir une pomme sur un étal s'était fait réprimander parce que il fallait la payer. Donc effectivement, c'est une information que tu as retenue, bravo à toi. Ouais. Faites-moi un D10. Ok, 5. Vous avez un petit marchand qui semble faire griller sur une grille des ronds de viande qui dit être du mouton et qu'il met dans des petits pains pour les vendre aux passants. Ça sent bon. Écoute, je vais m'approcher de lui et lui demander combien pour deux petits pains. Ah oui, bien le bonjour. Alors, deux petits pains, ça vous fera 4 pièces de cuivre. Allez. Très bien.
Allez, voilà, je paye et puis je transmets le petit pain. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous, messieurs, dames. À vous aussi. Alors, vous voyez quand même que dans la rue, il y a quelques personnes qui vous regardent un petit peu de travers. Bon, toi, Kratel, t'es pas forcément trop étonné parce que vous êtes quand même dans une ville qui est majoritairement humaine et que vous êtes un demi-elfe et un gnome qui vous baladez au milieu de la rue. Mais les regards sont plus curieux qu'agressifs. Et toi, Mibi, toi, t'as strictement rien vu. Toi, tu regardes absolument tout ce qui se passe autour. Ça ne te parle absolument pas, tu t'en fous, que les gens te regardent, t'as un peu l'habitude, donc ça ne te gêne pas. Alors vous progressez un peu dans la ville et Mibi à laquelle tu as parlé de la tour des mages, Kratel, te tire un petit peu avec insistance vers la tour où se situe la tour des mages. Est-ce que tu la suis ou pas? Oui, de toute façon, je ne la lâche pas d'une semelle. Hein. Entre nos expériences communes et le fait qu'on soit dans une ville qui risque d'être un petit peu hostile, on reste ensemble ou alors on se barre, hein, clairement. Ok, vous arrivez dans cet endroit qui est une grande place où il y a une grande place juste devant la tour des mages. Vous arrivez par le bas, par en bas à droite, la rue qu'il y a en bas à droite. Je vous laisse vous promener, me dire où vous allez. Voilà, donc vous arrivez sur une place qui est encore plus grande. Vous avez déjà sur cette rue-là des étals hein, tout le long de cette rue. Et vous arrivez sur une place assez grande devant cette tour des mages, totalement invraisemblable. Kratel, toi t'es pas étonné parce que tu l'as déjà vu, mais Mibi, elle, est complètement fasciné par cette tour. Donc en fait, pour vous expliquer, il s'agit d'une tour des mages à l'architecture absolument invraisemblable. C'est un amoncellement de différents blocs de bâtiments qui partent dans n'importe quel sens. Elle a une allure complètement absurde, un peu biscornue. Elle part un peu dans tous les sens. Elle monte quasiment jusqu'au nuage et vous imaginez que lorsque vous êtes dans des journées un petit peu plus grises, sa cime doit se perdre dans les nuages et elle s'avance sur un espèce de promontoire rocheux qui semble pas forcément très solide. Si vous avez joué à Skyrim et que vous voyez l'académie de Fort d'Hiver par exemple, c'est un peu l'idée d'une académie comme ça qui est perchée sur un apic rocheux où on se demande comment ça tient. C'est exactement ça. Et elle est entourée d'un mur d'enceinte assez épais qui empêche l'accès à la tour à quiconque souhaiterait y entrer par une porte massive devant laquelle il n'y a personne, il n'y a aucun garde, il y a juste cette porte massive. On peut rentrer et je vais marcher vers la porte. Ah, Kratel est dubitatif hein, derrière, effectivement. Très, très dubitatif. L'entrée à l'académie est réservée aux mages eux-mêmes par des moyens en plus magiques, hein, c'est-à-dire que tu ne pourras rentrer même si tu frappes, que t'appelles, etc. Voilà, ça fait partie des mystères de la ville. Les gens régulièrement viennent pour essayer de postuler à l'académie en se pointant devant l'entrée et en faisant un petit tour de magie pour essayer d'activer l'ouverture de la porte et de rentrer dans l'académie. Mais Kratel, toi tu le sais, hein, régulièrement, il y a énormément de déçus, hein, très peu d'appelés pour faire partie de l'académie, et les portes s'ouvrent rarement devant un postulant. Après, si tu veux essayer, hein, je veux dire, c'est à toi de voir, mais je suis pas optimiste, hein, clairement. C'est une porte, il y a des barreaux, c'est une grille. C'est une porte en bois cerclée de métal qui fait dans les 3-4 mètres de haut et 5-6 mètres de large. Ouais. Massive. Il y a une poignée, il y a pas de poignée, c'est juste un. Ce sont deux battants. Je touche, j'essaie de pousser un peu. Et bah. Elle ne bouge pas d'un pouce. Tu sens même pas que tu ne sens même pas la porte branler un petit peu dans son chambranle. Hein. Elle est vraiment bien fixée au sol. Peut-être qu'il y a des heures d'ouverture, hein, sinon. Et que là, c'est pas l'heure. J'ai entendu que ça se faisait.
Alors, ça se fait, mais pas en l'occurrence, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui auront la référence, et je ne doute pas que Fumble, tu aies la référence, l'entrée dans l'académie est à peu près aussi select et complexe que l'académie d'Ankh-Morpork dans le Disque Monde. Donc bon bah toi tu t'es un petit peu déçu hein Mibi, tu te dis bon bah tant pis, j'aurais bien aimé aller voir dedans, mais fais-moi un nouveau jet de perception. Ah, tellement doué pour ça. Ah, on n'est pas à l'abri d'un vin naturel. Bon, c'est pas un 1, c'est un 2 naturel qui nous fait un 5. Bon, écoute, tu restes un peu focalisé sur cette porte qui ne veut pas s'ouvrir. Et tu commences à déprimer gentiment devant cette porte. Avec ma marionnette, avec Monsieur Sneaky, je patte la porte. Et Monsieur Sneaky a l'air de ne pas être d'un très grand réconfort, parce qu'il a l'air lui aussi particulièrement triste. Grosse déception pour nous deux. Vous avez... Allez, une autre fois peut-être. Avec tout ça, avec vos explorations, vous avez fini votre petit pain avec de la viande dedans. Il avait, semble-t-il, mis une sorte de petit mélange de sauce dedans avec quelques crudités également. C'était pas si mal. Deux pièces de cuivre, le petit pain, c'est pas forcément très très donné, mais bon, vous êtes sur une place assez marchande, c'est pas forcément étonnant, et ça va, c'est assez correct comme prix quand même pour ce que vous avez mangé. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Bon, Mibi, est-ce que tu veux aller explorer un petit peu plus avant la ville ou tu veux juste rester à déprimer devant la porte ? Bah, peut-être qu'on peut regarder les étals, il y a peut-être d'autres trucs cool. Allons regarder ça. Ok. Des trucs magiques. Kratel, tu sais que pour ce qui est des choses magiques, il y a dans la rue qui part par là un concentré de boutiques magiques un peu plus important que dans le reste de la ville. Très bien, bah du coup je vais partager l'information avec Mibi. Tu sais pertinemment que tout ce qu'elle verra sera en dehors de ses moyens. Évidemment, mais je la préviens. Ah, faut payer pour ça aussi. Ah, faut payer pour tout, hein. Je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Faut effectivement trouver de l'argent du coup. Ouais. Hein. N'hésite pas à laisser traîner un peu tes oreilles si jamais tu peux entendre une information qui pourrait nous amener à être utile pour quelqu'un, on sait jamais. Oh oui, je suis très attentive, ne t'inquiète pas. Kratel, tu entends à nouveau parler un peu de cette contribution que les marchands semblent avoir à payer et qui aurait augmenté. Et j'imagine que c'est pas la première fois que j'entends parler de quelque chose comme ça. C'est pas la première fois, mais tu sais qu'il y a des impôts qui sont instaurés par le royaume. La manière dont ils en parlent, cette contribution, comme ils le disent, tu sens que ça concerne pas les impôts. Ouais, hein. Je vais rester quand même avec Mibi pour l'instant, parce que je pense qu'elle va vouloir faire un petit tour au moins pour faire du lèche-vitrine. Ok. Ceci étant dit, on va peut-être songer à essayer de faire coïncider notre parcours avec celui de la milice locale ou d'accord, quelque chose qui y ressemblerait. Ok. Que je puisse aller m'enseigner sur la pertinence de cette contribution. Voir s'ils savent, eux, de qui il s'agit et quel levier d'agissement je peux bien avoir là-dessus, parce que ça ressemble quand même à quelque chose d'assez mafieux, on va dire. Donc si... Effectivement. On va éviter de tricoter avec la pègre directement, mais si jamais, admettons, cette contribution n'a pas de source connue, je pourrais peut-être filer un coup de main à la milice locale, au moins pour savoir de qui on devrait se plaindre. D'accord. Alors tu repères assez rapidement les groupes de milices, donc les groupes du guet qui évoluent dans la ville, hein. Ils sont vêtus de vert et ils se promènent dans la ville avec leurs lances, pour certains le casque sur la tête, mais il fait quand même assez chaud vu que c'est l'été, donc la plupart d'entre eux le portent quand même sous le bras plutôt. Ils font leur tour sans trop faire attention, tu les vois, hein, qui sont un peu en train de flâner, qui regardent à droite à gauche, qui s'arrêtent devant un étal, qui regardent un peu la marchandise, qui parlent avec un marchand, et puis qui repartent, qui font un peu le tour comme ça. Ils sont très clairement en train de faire des rondes pour voir que tout se passe bien. T'en
T'en as quelques-uns que tu vois dans la rue dans laquelle vous vous engagez, dans la rue où il y a les objets magiques. T'en vois, tu vois un groupe de deux autres soldats du guet qui s'arrêtent auprès, enfin qui sont arrêtés avec un homme devant eux. Alors il y en a un des deux soldats du guet qui a un petit calepin puis qui est en train de prendre des notes. Et l'autre qui est en train d'interroger avec sa lance à la main le mec à qui ils sont en train de parler, qui a pas l'air d'être très très riche au niveau de ses apparats, mais qui a l'air un peu tout penaud, qui met un peu les mains dans son dos comme ça, qui regarde le sol et qui tape un peu dans les cailloux qui sont par terre. Bon, il a l'air de s'être fait pincer en plein flagrant délit, quoi, grosso modo. Ouais, bon, a priori là j'ai rien à faire. Du coup, je vais demander à Mibi ce qu'elle veut faire. Je lui dis juste qu'il faudra qu'on passe au locaux du guet à un moment, mais que on n'est pas excessivement pressé, mais ce serait bien. D'accord. On y fasse. Je suis jamais allé dans un local du guet. Non, t'es jamais allé dans un local du guet. Ça a l'air sympa. Si t'es curieuse, on peut éventuellement y aller directement, hein, mais par contre, faudra me prévenir d'être. Faudra me promettre d'être sur la réserve sur ce coup-là. Parce que je vais peut-être aborder un sujet épineux pour eux, donc il va falloir que je. Qu'on fasse. Soft. Je lève ma main avec ma marionnette et je fais je jure. Et de l'autre main, j'ai les doigts croisés dans le dos. Que je chope les doigts croisés dans le dos. Surtout que la main qu'elle te tend en fait pour dire je jure, c'est celle avec la chaussette. Qui dit, ouais, ouais. Qui dit je jure. Ouais. Donc. Fais un jet de psychologie. C'est un 22. Et fais un jet de bluff de ton côté, Mibi. C'est dans compétences aussi. Oh, 17. Bah c'est pas mal, mais Kratel est particulièrement perspicace et tu ne crois pas un mot de ce qu'elle te dit. Alors, bon, quant au fait qu'elle n'a jamais vu les bureaux de la milice, ça tu veux bien le croire. Par contre, quant au fait qu'elle jure oui, qu'elle va se tenir à carreau... Ouais. Ok, bon, de toute façon, je sais que j'en tirerai rien, donc on va y aller. Hein. Écoute, si ça te dérange pas, on va y aller maintenant, parce que. Ok, parce que je soupçonne que je pourrais être d'une quelconque aide au guet, ça pourrait peut-être nous faire une petite prime, pas piquer des hannetons, donc. Ok, ça très bien. Une option intéressante. Alors, le guet, le bureau du guet, à ta connaissance, il se situe plutôt près de l'entrée de la ville, dans la rue du Bric et du Brac. Pour être au plus près de la grosse activité de la ville. Ok, donc c'est pas loin, c'est cool. Voilà, l'activité, enfin le guet se situe à peu près dans cette zone-là. Très bien. Voilà. Écoute, en route, hein. Ah, c'est pas trop compliqué pour toi, hein. tu vous guides assez facilement au travers de la foule, même s'il y a pas mal de monde et que parfois c'est un peu compliqué de se frayer quand il y a un camelot qui est en train de faire des démonstrations de ce qu'il a fabriqué et de ce qu'il vend. Vous remarquez quand même que, alors toi Kratel tu le remarques parce que voilà tu sais que c'est la fête de la création. Les villes sont quand même beaucoup plus fréquentées que d'habitude et il y a des petits fanions qui sont accrochés au niveau des bâtiments et qui traversent la rue. Des petits fanions qui sont surmontés soit d'une enclume, soit d'un marteau, d'outils en fait, d'outils d'artisanat. Vous arrivez au niveau du guet. Vous avez deux gardes là, voilà, deux miliciens hein, que tu vois, qui sont en train d'attendre entre deux portes. Tu sais que la porte de droite, grosso modo, ce sont les baraquements et les cellules de la milice. Et la porte de gauche, c'est la porte du capitaine de la milice, du capitaine du guet. Peut-être pas déranger le capitaine tout de suite. Je vais aller m'enseigner auprès des gardes, vite fait. Ouais. Sujet de cette contribution, enfin, je vais faire les choses dans l'ordre, je vais me présenter en tant qu'enquêteur de l'agent en tant qu'agent du temple de Cruz. Ouais. Mon nom, enfin, je fais sa propre histoire de montrer un peu de respect, quoi. Et puis. Ok, bon, ils te reconnaissent pas. Très bien. Mais je leur montre le symbole de Cruz, de toute façon. Ah. Bon, ça, ils le reconnaissent. Yes. Je leur explique, bah, du coup, vu qu'ils me reconnaissent pas, je leur explique un petit peu le boulot que je mène habituellement. Mm-hmm. Et du coup, je leur demande s'ils sont au courant une certaine contribution que doivent verser les marchands est arrivée à leurs oreilles.
Ok. Et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont déjà des pistes pour agir là-dessus? Est-ce que je peux éventuellement les aider? Est-ce que voilà, sans vouloir me mêler de ce qui me regarde pas, mais on sait jamais. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. D'être fais-moi un jet de psychologie. 17. 17. Ok. Alors tu constates une première chose, c'est que ils ont pas l'air d'être tout à fait à l'aise quand tu abordes le sujet de cette contribution, et ils ont pas l'air complètement étonnés. Ah. Oui. Pour cette contribution, bon, le mieux ce serait que vous parliez au capitaine, hein, parce que on sait pas si on a le droit de vous donner des informations. Voilà, lui il saura si le capitaine n'a aucun souci à me recevoir maintenant pour en parler. J'avoue que ça m'irait. Oui. Oh bah vous. Devriez, ouais, pouvoir le rencontrer. Voilà, il est en train de gérer de la paperasse. Bon, il est peut-être un peu grognon, mais oh oui, vous pouvez y aller. Y a pas de problème. Ok, bah écoute. Ah, c'est la porte juste à droite. Okay, là. Très bien. Et ben, je vais du coup aller toquer à la porte. Alors, en les remerciant de leur bon accueil. Eh bien, de rien. Je fais un signe Mibi, puis je vais toquer à la porte du capitaine. Vas-y. Non mais déplace ton token. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être psychorigide dans cette... Alors la porte de droite par rapport à eux, donc c'est de l'autre côté. Ah. L'autre droite. La fameuse autre droite. Et donc au moment où vous êtes en train de toquer, vous entendez une voix qui fait ah, qu'est-ce que c'est encore? Ouais, entrez. Vous venez d'ouvrir la porte et vous voyez donc devant vous un bureau avec divers étagères, avec un bureau assez chargé, avec pas mal de paperasse. Et devant ce bureau, tu vois un visage que tu connais assez bien, Kratel. Donc c'est le visage du capitaine Angus Varro, qui semble totalement débordé de travail. Il prête absolument aucune attention à votre entrée. Il est plongé dans ses papiers, là, il est concentré dedans et tout. Et par contre, tu lis sur son visage assez facilement la détresse quotidienne qu'il semble vivre sur son poste. Il a le front qui est dégoulinant de sueur, il est marqué par des profondes rides qui semblent littéralement prendre vie quand il fronce ses sourcils. Le bougre n'a plus que quelques cheveux blancs autour d'un immense cratère de calvitie. Sa bouche ne semble pas avoir pris le pli du sourire depuis belle lurette, mais arbore naturellement la contrition. Et tu le sais, toi, que... Cette moue de contrition est d'autant plus accentuée quand il y a un marchand qui, par exemple, vient se plaindre ou quand il y a un homme qui est ramassé dans la rue pour avoir volé des trucs ou des trucs comme ça, voilà. Dès qu'il se passe quelque chose, il fait la gueule, voilà. il a des joues décharnées, une physionomie émaciée, voilà, c'est tout ça complète la vision parfaite d'un homme qui est pas du tout heureux dans son travail. Il est en train de grommeler dans sa barbe de 3 jours et d'un air las, il lève la tête. Il a l'air de vraiment attendre la fin de la journée. Hein. Et pourtant, vous êtes que début d'après-midi, donc il a encore une longue après-midi à tirer. Et il a l'air déjà d'être au bout, quoi. Et il lève la tête, il fait « Au Soum ? Ah ben, je sais pas ce que vous fichez là, mais j'ai pas vraiment de temps à accorder à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, mon cher capitaine, bonjour déjà. Bonjour. Navré de vous déranger, mais je venais en fait, pas tellement poser une question, mais vous proposer mon aide. Puisque j'ai cru comprendre que, dans la ville, les marchands se plaignent d'une contribution d'une nature inconnue qui aurait tendance à augmenter d'une façon très gênante. Et disons que il ne faut pas avoir les grandes ressources en psychologie pour comprendre que la contribution en question n'est pas vraiment de nature légale. Donc je voulais vous demander si vous aviez besoin de mon aide pour éventuellement identifier la source de cette contribution. Entrez, fermez la porte. Je préfère pas que les oreilles... indiscrète, écoute tout ça. Vous refermez la porte derrière vous. Bon, il a pas de siège à vous offrir, mais lui s'assoit et il vous dit
Vous avez écouté ce qui se disait en ville? Ouais, c'est les colporteurs, là. Une clique de je sais pas exactement ce qu'ils sont, une espèce de mafia qui impose un peu sa loi auprès des marchands et leur fait payer une espèce de taxe soi-disant de protection, hein. Mais bon, j'ai plus à parier que cette protection, elle est contre leurs propres sbires, au final. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'ai pas beaucoup de monde, je suis assez débordé. J'ai déjà pas mal à faire avec la fête de la création et tous les différents marchands qui se font dépouiller. D'ailleurs, vous êtes à recherche d'un travail, c'est ça? Pas vraiment. En fait, ce que j'avais en tête, qui nous arrange, vous voyez, dans un accord où tout le monde est gagnant, ce que je vous propose, c'est de mon côté d'identifier les sbires en question, éventuellement quelques têtes pensantes du réseau, et que, en échange, je puisse me servir sur les indicateurs les plus faibles qui auront pu m'aider dans cette tâche. Je ne vais pas oser prétendre à prendre des pièces d'argent ou de cuivre dans la poche directement de la garde. Je pensais directement plutôt me servir sur les contrevenants, voyez. Ouais, c'est intéressant, effectivement, vous pourriez nous être utile. Bon, faites attention à vous, hein, quand même, s'agirait pas de mettre les mains dans quelque chose de trop dangereux pour vous non plus, hein. Vous n'êtes pas un combattant, Osum, hein. Non, mais je suis pas le seul non plus, et... Oui, justement, j'allais vous poser la question. Ça, c'est qui, votre nouvel associé? Je croyais que vous étiez plutôt solitaire. Écoute, Milly, je te laisse te présenter à Monsieur Varro. Oui, je suis son garde du corps. Il lève un sourcil, plus que dubitatif. Et il dit, garde du corps. Enfin, vous voyez peut-être bien m'aider. Effectivement. Ouvrez les oreilles comme vous avez l'habitude de faire et ouvrez les yeux au Osum, mais c'est pas vraiment la priorité que j'ai en ce moment. Je manque de gars et j'aurais peut-être quelque chose à vous confier. Et ça, pour ça, on serait prêt à vous payer. Nous sommes toutes oui. Ouais. Alors, c'est une enquête. Quelque chose qui fait un peu partie de vos spécialités. Dont vous pourriez vous charger et... Bon, j'ai aucun homme à vous assigner, donc tant mieux que vous ayez votre propre main d'œuvre. C'est, je crois, une histoire de vol dans une chambre de luxe, si je dis pas de bêtises. Un marchand itinérant, je crois, enfin quelqu'un suffisamment riche pour faire appel au service du guet dans cette période chaotique. Vous pourriez vous rendre à l'auberge de l'adepte recalé. Cherchez un certain Miklos, c'est le marchand en question, il vous expliquera sa situation. Si vous me débarrassez de cette affaire, le bougre nous a offert de nous payer la modique somme de 10 pièces d'or pour cette affaire. Tout de même. Oui, quand même. Tout de même, très bien. Bah écoutez, on va faire ça alors. Vous avez moyen de me signer un petit papier, quelque chose d'officiel? Oui, bien sûr. Vous voyez qu'il y a quelqu'un en train de soulever différents papiers sur son bureau. J'ai mis où cette foutue plume? Et il ressort une plume, c'est bon, il prend un papier sur lequel il a l'air d'avoir une tache de café, et puis il rédige un mot rapidement, et puis il signe en bas Angus Varro, et il tend ça, et il fait merci pour votre aide. Est-ce que pendant qu'il a l'air occupé, genre sur l'étagère il y a des petits bibelots, des machins? Ouais. Je voudrais juste en intervertir deux, genre, juste les intervertir. Voilà. Bah fais un jet de discrétion. 11. Alors, bah écoute, tu le vois qui lève un peu la tête à un moment donné. Il s'en est pas fallu de peu, mais il y a un moment donné où t'as voulu prendre un petit bibelot et le déplacer avec un autre. Sauf que ce petit bibelot, bah semble-t-il, était un poil fragile. Et du coup, il a commencé à se défaire en deux morceaux. Tu l'as rattrapé au dernier moment, tu l'as remis. Et te doutant que ça allait faire du bruit, juste après l'avoir mis, t'as remis tes mains derrière. Mais... Je m'éloigne. et lui, il a juste levé la tête. Bon, puis il a repris à rédiger le papier. Voilà. T'as eu un petit peu chaud.
là là là. Donc il te tend le papier, Kratel. Il te tend le papier, voilà. Bon. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander aux gardes ou à repasser par ici. Mais essayez de venir avec toutes les questions en même temps, hein, parce que je suis assez débordé. Voilà. D'ailleurs, vous vous y connaîtriez pas, à tout hasard, en droit de la magie. Je vois qu'il regarde un peu sa paperasse, là, en se grattant l'arrière de la tête, d'un air un peu embarrassé. Droit de la magie, je dois bien avoir une toute petite connaissance là-dessus. Fais-moi un jet d'intelligence. Ouais, oh, 5, putain, non, mais sérieux, c'est un scandale. C'est surtout que tu peux annoncer que c'est un fumble. Donc, non, du tout. Bon, ça va, c'est pas un fumble avec une conséquence. Ouais, c'est voilà. Juste que connaissance en droit de la magie, t'es... Non. À la limite, si ça pouvait être en droit religieux, éventuellement. Mais non, en droit de la magie, ça te parle pas. Faudrait que je travaille ça pour mes prochaines enquêtes. Bon, bah tant pis. Navré, capitaine. Je vais me débrouiller, merci quand même. Bon. Et je me renseigne, hein, on sait jamais si je peux tomber sur une information qui peut vous aider, je vous ramène ça. Très bien, merci beaucoup. Et donc... Bon, on vous laisse, hein, vous avez beaucoup de travail. Merci. Bonne journée. Vous ressortez donc de là. Les gardes vous revoient passer. Ils disent pas mot, hein, ils vous voient juste sortir. Bon. Bonne enquête, hein. Et puis... On va faire notre mieux. Et puis, bah, eux, ils sont encore à leur poste. Et tu vois que peu après que vous partiez, il commence à y avoir à nouveau de la foule qui se ramène et qui commence à poser des questions aux deux gardes, qui commencent à gratter l'arrière du casque. Ouais, alors ça, c'est là-bas. Enfin, tu les vois qui font des petits signes de main en désignant un endroit, en donnant des indications, voilà. Bon, ils sont relativement souvent sollicités par la population qui passe, quoi. Alors, du coup, que faites-vous ? Vous êtes revenu dans la rue. Donc revenu au milieu de tout ce brouhaha ambiant et... Vous avez donc cette nouvelle mission qui vous est donnée de rencontrer un certain Miklos à l'adepte recalé. Bah c'était nul la tour de guerre. Hein. C'est mais dis-toi qu'on a une opportunité pour se faire quand même un pactole conséquent. Hein. 10 pièces d'or si on y arrive, c'est quand même je pense quelques semaines de tranquillité. Hein. Après c'est surtout tu lui avais pas vendu comme étant quelque chose d'exceptionnel non plus. Non, j'avais rien promis du tout. Tu t'es relativement très bien tenu d'ailleurs, hein, je tiens à être... voilà. J'ai bien vu ce qui s'est passé sur l'étagère, mais compte tenu de ton tempérament habituel, je trouve que tu t'es très très bien retenu. J'aime bien le relativement. Il n'y avait rien à faire de toute façon. Donc, que faites-vous maintenant ? Vous êtes de retour... La direction l'auberge de l'adepte recalé, hein. Yes. Le plus tôt on y sera, le plus tôt on pourra commencer à bosser sur l'affaire, même si on peut se permettre un détour ou deux pour Mibi éventuellement s'il y a quelque chose qui l'intéresse. Mais... Alors fais-moi un jet de connaissances locales, Kratel. Et Mibi aussi, éventuellement, même si y a peu de chances que tu aies ces connaissances-là parce que tu ne connais pas trop cette ville. Oui, un petit 12. C'est déjà bien. 23, ok. Mibi, toi, l'adepte recalé... Tu penses juste avoir vu un panneau à un moment donné qui l'indiquait. Kratel, toi, tu sais exactement où c'est et tu sais que c'est l'établissement par excellence le plus réputé de la ville en termes d'auberge. C'est un endroit qui est très cossu, qui est... D'où les 10 pièces d'or. C'est un endroit qui pue la richesse, hein, comme on dit, ou potentiellement vous rentrez pas si vous faites pas preuve d'un minimum de civilité. Ok. Heureusement que je sais faire preuve de civilité. Voilà. Voilà. Bon, alors par contre, là, autant pour le capitaine de la garde, je t'ai dit de faire attention, autant là, va falloir faire quand même très attention. Hein. Effectivement. On joue ma réputation là-dessus, ça... quand même. Voilà, c'est ça. C'est la bonne attitude. Bah direction l'auberge alors. Hein.